Gulli présente. À droite et insister sur le fil. Oh. Tout ça pour 3 graines 99 seulement. Dans sa divine bonté, le grand Shogun a décidé d'accorder une journée de vacances à ses fidèles sujets. Waouh, quelle grandeur ce grand Shogun! Un jour de vacances, pouh, c'est quand même hyper généreux. Eh oh, silence, on ferme son couvercle là. Et le grand Shogun, il écoute toujours ses fidèles et il est trop beau en plus. Oh, ça va, c'est bon, on a compris. Nico aussi peut ordonner à ses fidèles de prendre des vacances. Notre contrat de vacances, signez-la, votre feeling grosseur. Bois, Nico. C'est bien normal. Et le divin Nico peut-il savoir ce que vous allez faire de vos vacances? Nous pourrions aller au village des Kobushis. C'est vrai quoi, on y passe souvent, on s'arrête jamais. Oh, comment le grand Nico n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Une fois dans le village, vous pourrez ouvrir un écho de l'intérieur et Nico pourra... Ah non, nous, on est en vacances. Ouais. Salut, Crevé Kippy. Vous avez perdu la boule ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? On est en vacances. Oh, elles sont trop kawaii, ces petites boules. Tu les connais, Amy? Bien sûr qu'il nous connaît, car c'est un... Les grands amateurs de fioles. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, chers amis? Sauce soja. Sauce gingembre. Sauce radiosa. Je vous apporte ça. C'est la première fois de ma vie qu'on me sert quelque chose. C'est trop bien. On va te taper, on va du salami. Bon, alors on va dire à tout le monde que t'es à traite. Sur votre gauche, le dojo où s'entraînent les Kobushis. Devant vous, un très rare spécimen, le ninja mauviette, aussi appelé Sushi Muduri. Hey, ce serait pas les larbins de la tirelire? Eh bien, ce n'est pas parce qu'elles sont obligées de travailler pour Neko qu'elles sont forcément mauvaises. En fait, quand on les connaît vraiment, ces petits êtres ronds, bah, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ils sont pleins. Et sinon, y a pas un endroit pour s'éclater un peu dans votre bled? Y a les bas-fonds, mais c'est le domaine des terribles yakuza et c'est pas vraiment pour les petites fioles. On est là! C'est vrai que vous avez l'air moins stupide sans le gros Neko. Eh oh, votre porcelainissime divinité! Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le puant? C'est quoi le plan avec les fioles? Les fioles? Qu'est-ce qu'il leur est arrivé? Elles vont bien? Elles ne sont pas en danger, au moins? Non, pas trop. Elles ont juste retourné tout le village comme un vieux tatami. Adorateur que trois fioles. Et une crevette avariée. Et ces stupides boules de porcelaine ont plus d'adorateurs que Nico. Alors qu'elles ont peur du liquide vaisselle. Vas-y, propose-lui un marché. Votre élégance, je vous propose un marché. C'est quoi le marché? Un endroit où on achète des légumes. Un endroit où on... Tu lui ramènes ses fioles. Il te mange et on est libéré de la malédiction des culipus qui te fait puer du... Du riz, ouais, habile. Voilà le plan. Vous me mangez et après moi, je vous ramène vos fioles. Enfin, dans l'autre sens. Ramène les fioles à Neko. Tout de suite! Tout le monde va parler aux fioles. Parle aux fioles. Monsieur Crevette Kippy, j'ai un message de Neko. Il veut que vous rentriez, vous lui manquez. Oh, Neko veut chi, Neko veut chat. C'est bon, nous aussi on veut des trucs. Par exemple, on veut rester ici pour toujours. Oh.
Sensei. Leur chant me procure une telle sérénité que le chemin vers la sagesse me paraît moins long. Mais toi, Epi, où étais-tu? Shenango, bien sûr. Crevette Képu est un traître. Défends-toi vite, mon. D'accord. J'ai mon. Epi, tu as bafoué l'enseignement sacré des samouraïs. Et les traîtres ont les bannis. Je suis désolée, noble ancêtre, j'ai échoué. Je devrais peut-être plonger dans le lac de l'oubli. Ce liquide vaisselle, fraîcheur citron, aura peut-être raison de mon odeur. Mais oui, Epi, c'est génial. Génial? C'est pas le mot que j'emploierais. Finir, dégraisser, détacher en profondeur, c'est pas génial. Faut vraiment tout expliquer. Neko l'a dit lui-même. Alors qu'elles ont peur du liquide vaisselle. Eh hey, oh, les fioles craignent le liquide vaisselle, hein? Hey. Quelques gouttes suffisent. Mais c'est du liquide vaisselle. Ah, ça gratte. Pas de panique, je vais vous aider. Dès que vous aurez dit à tout le monde que vous êtes là pour le compte de l'écho et qu'Ebi n'est pas un traître. Mais si, c'est un traître. Oh, oh non. Ah, d'accord, d'accord, stop, pitié. Quand un samouraï s'est trompé d'embranchement sur le chemin de la sagesse, il fait demi-tour. Epi, nous te présentons des excuses pour avoir écouté la voix de l'ennemi plutôt que la tienne. Ah, c'est pas grave, vous êtes pardonnés. Dans mes bras, les amis. De loin, ça ira. Pitié, grattez-nous. Déjà fini, chez de con. Pitié, grattez-nous avec vos divines griffes. Bien sûr, fidèle fiole, bien sûr. Mais plus tard, pour l'instant, c'est l'heure du feuilleton préféré de Neko. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.